Pouvez-vous me noter quel est votre profil? Est-ce que vous faites plutôt du day trading? Est-ce que vous faites plutôt du moyen terme, du court terme? Je vous laisse me répondre dans la fenêtre de chat si vous pouvez m'indiquer un peu à quel horizon d'investissement vous travaillez. D'accord, donc beaucoup de day trading, un petit peu de court moyen terme. Bon, apparemment, tous les profils hein, ce soir. Bah, déjà, le Wallmaster fonctionne sur tout type de marché, que ce soit le Forex, les actions, les SICAV, les futurs. Tous les marchés mondiaux sont accessibles puisque Walldata vous fournit un flux directement des places de marché officielles et cela en pur temps réel et évidemment sur toutes les unités de temps. Donc bon, voilà, vous allez tous pouvoir mettre en place votre méthode de travail à travers Wallmaster. Et j'aimerais savoir également sur quel type de marché tout simplement vous intervenez. Est-ce que vous intervenez plutôt sur les actions? Est-ce que vous intervenez plutôt sur le Forex, les SICAV, les Varantes, etc. Si vous pouvez me noter un peu sur quel type de marché vous intervenez. Action, Forex, donc un peu de tout, ok, action, OPCVM. Oh là, je vois Philippe qui intervient sur tous les marchés possibles et imaginables. C'est très bien, Philippe. Vous avez donc accès à beaucoup d'opportunités. Action, Forex. Bah, c'est un peu 50% ce soir. Vous êtes à la fois actif sur les actions et sur le Forex. Très bien. Ça tombe bien, évidemment. Wallmaster permet de travailler sur tout type de marché. Pour revenir un petit peu sur l'analyse technique. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne possèdent pas encore le Wallmaster, vous travaillez déjà à partir de l'analyse technique? Est-ce que, on va dire, vous connaissez l'analyse technique? Si vous pouvez me dire oui, je connais ou non, je ne connais pas, pour savoir s'il y a des débutants en analyse technique. Un petit peu, oui. Bon, bah, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'analyse technique, vous allez découvrir ce soir que le Wallmaster est adapté quel que soit votre niveau. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous avez un analyste dans votre ordinateur qui vient un petit peu vous traduire tous les graphiques que vous pouvez voir et vous donner une explication sur les signaux qui peuvent être dégagés autour de l'analyse technique. L'analyse technique, pour faire simple, je vous laisse lire évidemment le PDF à l'écran si vous souhaitez lire ça complètement. Mais pour résumer, c'est l'étude tout simplement des courts graphiques hein, qui permet voilà, en se basant sur le passé, d'anticiper les mouvements futurs du marché, que ce soit les retournements ou autres. Et l'analyse technique est le contraire de l'analyse fondamentale qui consiste à prendre en compte plutôt les infos économiques. Et ce sont évidemment deux choses qui sont complémentaires. Certains d'entre vous sont abonnés à des revues ou à des conseils d'analystes qui vous envoient leurs conseils et leurs informations un petit peu macroéconomiques sous forme de mails et d'autres abonnements. Évidemment, l'analyse technique va pouvoir vous permettre d'assurer un bon timing d'intervention, parce qu'il y a toujours un délai entre le conseil qu'on peut vous donner et le moment où il faut réellement agir, et vous permet l'analyse technique de contrôler, confirmer les conseils qui vous sont donnés autour de l'analyse fondamentale. Donc pour ceux qui se posent encore la question, même si vous êtes plutôt pro-analyse fondamentale, l'analyse technique est très complémentaire, puisqu'elle vous permet de confirmer les conseils qui vous sont donnés et d'assurer un excellent timing d'intervention. Alors j'ai une question de Philippe, d'ailleurs j'en profite pour vous donner la main, hein. Profitez-en pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir. On est là pour ça ce soir. Justement, connaissez-vous des sites web en analyse technique? Eh bien, vous avez mieux que ça, Philippe, vous avez un outil qui va vous permettre justement de travailler autour de l'analyse technique facilement. Donc oui, je conseille Walldata, bien sûr. Donc il y a plusieurs représentations possibles en analyse technique. Les courbes en continu, vous avez certainement tous déjà vu cela. Ensuite, nous avons les bar charts, puis les célèbres chandeliers japonais ou bougies japonaises. On va se retenir cette dernière représentation et on va essayer de se concentrer dessus ce soir. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me répondre, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà les bougies ou ne connaissent pas les bougies? Bon, vous êtes presque tout le monde connaît. Il y a quelques personnes qui ne connaissent pas les bougies. Donc, pour faire très simple, là à l'écran, vous avez des bougies japonaises, donc qui nous donnent plusieurs informations.
On va se concentrer sur les deux types de bougies qui peuvent exister. Première bougie, la dernière que l'on a, une bougie verte. Donc on a 4, même 5 infos importantes. Première info, la couleur de la bougie. Ça, c'est important, savoir si la séance a été haussière ou baissière. Si la bougie est verte, la séance a été haussière. Vous l'avez deviné, si la bougie est rouge, la séance a été baissière. Deuxième information, le haut de la bougie, le haut de la mèche qui nous donne le plus haut du jour. Ensuite, nous avons le plus bas, représenté par la mèche en bas. Si c'est une bougie verte, le bas du corps de la bougie représente le cours d'ouverture et le haut de la bougie représente le cours de clôture. Donc, Waldata et Waltrade Institute a développé pour vous plusieurs heures de vidéos, ce qui s'appelle un e-learning et évidemment une bibliothèque complète de la définition de tous les indicateurs techniques. Donc, vous avez tout ce qu'il faut au sein du Centre Waltrade Institute pour apprendre à travailler autour de l'analyse technique. Là, le but du webinaire ce soir, c'est de découvrir les outils, mais vous avez évidemment tout ce qui peut exister aujourd'hui pour vous permettre de travailler, d'apprendre l'analyse technique. Waldata, évidemment, est présent depuis presque 30 ans, donc développe tout cela pour vous. Donc, pour revenir aux bougies, une bougie verte, le cours a été haussier, et donc vous avez 4 infos à retenir. Le plus bas, le plus haut, le cours d'ouverture, le cours de clôture. Pour une bougie rouge, c'est tout l'inverse. Ouverture, fermeture. Plus haut, plus bas. Donc voilà, les bougies japonaises, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. C'est ce qui permet d'identifier un petit peu la séance du jour et de pouvoir voilà, travailler avec l'analyse technique parce que les bougies forment des figures qui annoncent un petit peu les retournements. Donc j'ai essayé de faire un peu clair, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Voilà en ce qui concerne les bougies japonaise. Alors, qu'est-ce qu'une méthode de travail en bourse? Évidemment, la clé du succès en bourse passe par une discipline et une bonne organisation de sa méthode de travail. Hein, le but n'est pas d'investir à l'aveugle ou de se positionner sur des valeurs sur des simples intuitions ou comme un petit peu au casino. Le but, c'est d'avoir une méthode, de s'y tenir. Et la première étape d'une méthode de travail en bourse à travers Wallmaster XE, c'est l'étape 1, savoir analyser systématiquement. Vous avez à votre disposition dans votre Wallmaster ce que l'on appelle nous des market analyzers. Alors pour vous montrer ce que c'est dans le Wallmaster, les market analyzers, c'est le scanner de marché que l'on a à gauche de votre écran, qui vous permet de scanner un marché complet et de réaliser une sélection immédiate et systématique, de dégager les valeurs à potentiel. Donc première étape en bourse, sélectionner grâce au Market Analyzer. On va voir tout à l'heure, au milieu de ce webinaire, une méthode de travail simple autour des moyennes mobiles, mais comment les Market Analyzers de Waldata peuvent vous permettre de gagner un temps fou en analysant systématiquement le marché sur lequel vous intervenez ou les marchés, et puis en dégageant immédiatement les valeurs à potentiel parce qu'elles correspondent aux critères de sélection de votre méthode. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape d'une méthode, une fois qu'on a sélectionné une valeur à potentiel, il faut l'analyser, faire ce que l'on appelle l'étape numéro 2, donc une analyse, pardon, discrétionnaire. Donc valider les signaux dégagés par votre market analyzer grâce aux écrans graphiques. Donc là, on va se concentrer plutôt sur la partie de droite. Donc vous voyez un graphique sous vos yeux en bougie japonaise. Donc on a plusieurs éléments dans votre graphique. Voilà, vous avez des supports et des résistances qui sont tracées automatiquement par votre Wallmaster, qui vous permettent tout de suite de situer la valeur dans son contexte. Des assistants visuels, eh bien, qui vous donnent la notion de timing d'intervention. Est-ce que c'est feu vert pour se positionner? Est-ce que c'est encore le bon moment? Quelle est la probabilité de retournement de la valeur? La valeur est en tendance haussière, mais est-ce qu'il y a une chance que ça se retourne? Voilà, et quand vous passez votre souris sur les signaux qui sont dégagés par votre Wallmaster XE, il y a toujours une infobulle qui s'affiche et qui vous explique le signal. Donc le but, une fois qu'on a sélectionné une valeur dans son market analyzer, là vous voyez par exemple j'ai sélectionné Essilor, eh bien on l'analyse grâce aux écrans graphiques clairs et précis, eh bien qui vous permettent de situer la valeur dans son contexte. Alors est-ce que vous m'entendez tous correctement? J'ai quelques
Bon, message sur la qualité du son, excusez-moi de couper. Apparemment, quelques utilisateurs. D'accord, bon, bah, ça peut être par rapport à votre connexion internet. Ce que je vous conseille, si vous avez déjà votre Wallmaster connecté au marché, bah, c'est de le déconnecter pour profiter pleinement de ce webinaire et de monter un petit peu vos enceintes accessoirement. Donc, une fois que vous avez sélectionné des valeurs à potentiel selon votre méthode, et vous allez voir que Wallmaster XE vous fournit des méthodes prêtes à l'emploi et surtout pour les débutants, des espaces de travail déjà prêts, vous passez à l'étape numéro 2 qui est l'analyse de la valeur grâce aux écrans graphiques et surtout aux assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture de l'analyse technique. Parce que c'est bien d'avoir des graphiques, mais l'idée c'est quoi? C'est d'être devant son ordinateur et de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter et quand faut-il vendre? Bah, c'est exactement le rôle de l'analyse technique et de votre Wallmaster. Vous avez tous les outils chartistes qui sont à votre disposition pour tracer vos tendances, pour tracer vos supports, vos résistances, mettre des petits signaux sur votre graphique. Hop, voilà, vous avez la bibliothèque complète de tous les outils chartistes et surtout d'un coup d'œil de savoir prendre la bonne décision. Là, je suis sur Essilor. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Évidemment, ce soir, je ne vous donnerai pas de conseils parce que ce n'est pas le rôle de ce webinaire. Mais le but, c'est voilà, d'avoir un outil simple, clair, qui vous permette de gagner du temps et surtout de savoir tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire sur les valeurs que vous êtes en train de surveiller. Au passage, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un support ou une résistance? Si vous pouvez me dire évidemment oui, je le sais, ou non, je ne le sais pas et j'aimerais le savoir. Vous savez pratiquement tous ce qu'est un support et une résistance. J'ai quand même quelques noms. Donc, les supports et les résistances sont bah, tout simplement des niveaux de prix importants auxquels les cours bah, viennent rebondir régulièrement. Pour faire simple, hein, là, la ligne verte que l'on a en bas est un support. La ligne rouge est une résistance. C'est des niveaux de prix sur lesquels les cours viennent régulièrement rebondir. Si vous savez les tracer de façon autonome, tant mieux. Mais c'est vrai que ça prend toujours un peu de temps. C'est une chose assez fastidieuse. Votre Wallmaster bah, va vous tracer automatiquement les supports et les résistances les plus proches du cours actuel. Comme ça, vous allez tout de suite pouvoir, d'un coup d'œil, identifier le potentiel de hausse ou de baisse de la valeur en question. Voilà pour les supports et les résistances. Donc, je reviens à mon petit PowerPoint. Donc, 1, analyser, sélectionner, pardon, grâce au Market Analyzer. 2, analyser grâce aux écrans graphiques, et on va voir tout à l'heure tous les assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture. 3, sécuriser. Avant de passer votre ordre chez votre broker et d'acheter ou vendre une paire de devises ou une action, eh bien, il faut savoir combien vous pouvez en acheter en fonction de votre capital. Quel est l'endroit où il faut mettre votre stop pour éviter d'être sorti à chaque mouvement du marché? Bah, là encore, le Wallmaster va vous aider. D'une part, à calculer la taille idéale de votre position grâce au Risk Manager, qui est un petit peu votre comptable qui vous aide. Est-ce que je dois acheter 1000 actions? Est-ce que je dois acheter 100 000 euros dollars? Tout ça va être évidemment assisté par Wallmaster. Et le stop de protection optimale est une fonctionnalité Wallmaster XE qui vous permet d'avoir un peu d'aide sur l'endroit où mettre votre stop le plus judicieux possible. Donc 3, sécuriser à l'aide de Wallmaster XE. 4, passer son ordre. Si vous le souhaitez, Broker Access de Walldata vous permet de passer votre ordre directement chez votre broker de votre outil d'aide à la décision pour gagner du temps. L'étape 5, suivi de position, vous avez un outil de gestion de portefeuille bah, qui vous permet de suivre l'évolution de vos lignes et de savoir bah, valeur par valeur quelle est la dernière opération que vous avez réalisée, où est-ce que vous en êtes dans votre position, est-ce que vous êtes en plus-value, en moins-value. On va voir ça juste après. Et l'étape 6, clôturer au bon moment, avant les retournements, puisque le but en bourse, c'est évidemment de gagner de l'argent. Donc, si on achète à un endroit et que l'on veut vendre plus tard, l'idéal évidemment c'est de vendre plus cher, donc de vendre avant les retournements. Et Wallmaster, encore une fois, là va vous aider à anticiper les retournements de marché. Donc, une méthode idéale en bourse passe par ces 5 ou 6 étapes essentielles. On va parler des moyennes mobiles aussi ce soir. Tout le monde sait ce qu'est une moyenne mobile ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire oui, je le sais, non, je ne le sais pas? Et dans ce cas-là, je me permettrai de vous donner une petite définition très simple des moyennes mobiles. Bon, bah, vous savez tout ce qu'est une moyenne mobile apparemment.
moyenne mobile arithmétique ou exponentielle, il y en a forcément plusieurs types, mais donne la valeur moyenne du cours en divisant la somme des cours par la période de calcul de la moyenne mobile. J'illustre ça à l'écran. Sur notre écran graphique, nous avons deux moyennes mobiles. Vous voyez là, vous avez une première moyenne mobile courte période qui est représentée en pointillé et une moyenne mobile un peu plus longue qui est en gras. Ce qu'il faut retenir en premier sur une moyenne mobile, c'est la pente de la moyenne mobile. Si la moyenne mobile est haussière, eh bien la tendance de votre valeur est haussière. Si la moyenne mobile est baissière, la tendance est baissière. Ça, c'est déjà la première info à retenir en ce qui concerne les moyennes mobiles. Wildata colorie vos moyennes mobiles pour encore une fois vous faciliter la lecture. Et même s'il existe plusieurs types de moyennes mobiles, les moyennes mobiles arithmétiques, si on a une moyenne mobile 10 périodes, eh bien vous prenez la moyenne des 10 cours, des 10 derniers cours, et ça va tracer votre moyenne mobile. À chaque nouveau cours, votre moyenne mobile va avancer. Si vous prenez une moyenne mobile exponentielle, elle va donner plus de poids au dernier cours. Enfin voilà, la moyenne mobile permet de lisser les mouvements un petit peu du marché et de vous permettre d'identifier la tendance. Et une méthode simple, et en bourse, l'une des plus connues, c'est utiliser deux moyennes mobiles différentes, de deux périodes différentes, et le croisement de ces moyennes mobiles permettent de donner des points d'entrée ou des points de sortie sur les marchés. Pour répondre à la question de Philippe, il y a plusieurs ratios qui existent, qu'il faut respecter entre deux moyennes mobiles pour déterminer la courte et la longue. Voilà, la plupart du temps, d'après les analystes Wildata qui vous construisent des formations au sein du Centre World Trade Institute, le ratio de 4 est très bien respecté entre sa moyenne mobile courte et longue. Là, vous voyez sur notre écran graphique, on a une moyenne mobile 10 et une moyenne mobile 40. Et donc, les croisements de la moyenne mobile courte qui croise la moyenne mobile longue à la baisse donnent un signal de vente. La moyenne mobile courte qui croise la moyenne mobile longue à la hausse donne un signal d'achat. Et on va voir tout à l'heure comment on peut automatiser, systématiser cette méthode de travail très simplement à l'aide de son Wallmaster XE. Donc je reviens à nos moutons. La première étape, là je vais me mettre dans la peau, on va dire, d'un investisseur lambda qui travaille à court moyen terme sur le CAC 40. Et donc on l'avait dit tout à l'heure, première étape d'une méthode, sélectionner, savoir quelles sont les valeurs à potentiel du jour. Donc là, le marché CAC 40 est fermé. Donc c'est pour ça que je suis en hors ligne au niveau du Wallmaster. Vous voyez tous le CAC 40 qui est ici. On a plusieurs informations. Ça, c'est un espace de travail qui est déjà prêt à l'emploi dans votre Wallmaster. Première information, la colonne numéro 1 ici avec le nom des valeurs. Là, pas besoin de détailler, c'est très simple, hein. Airbus, Essilor, Sanofi. C'est plutôt simple à comprendre, j'imagine. Deuxième colonne. Et encore une fois, je répète, ça c'est un espace qui est prêt à l'emploi dans votre Wallmaster. Vous avez la tendance majeure. Est-ce que la valeur que je sélectionne est en tendance neutre? Est-ce qu'elle est plutôt haussière ou est-ce qu'elle est plutôt baissière? Troisième colonne, Wallmaster XE va analyser pour vous 5 indicateurs. Vous en avez certainement entendu parler, RSI, stochastique, des moyennes mobiles, le DMI et le MACD. Et va tout simplement vous traduire l'analyse de ces indicateurs sous forme d'un logo facile à comprendre. Quelle est la probabilité de retournement de ma valeur? Exemple concret. Je suis sur Essilor. Nous sommes en tendance haussière. Cette valeur propose une forte probabilité de retournement à la baisse. A l'inverse, je suis sur Vinci. La tendance majeure est baissière. Je vais essayer de vous montrer à quel endroit je vois cela. Vinci, tendance majeure baissière, faible probabilité de retournement à la hausse. Donc cet espace de travail va déjà vous permettre de détecter des points d'entrée en anticipant un petit peu les retournements du marché. Je m'explique. Là, on a Capgemini, tendance haussière avec une forte probabilité de retournement à la baisse. Et bien, je vais peut-être commencer à m'intéresser à cette valeur et je vais peut-être la shorter, je vais peut-être la vendre. Et on a ajouté à ce market analyzer une info importante, qui est un indicateur développé par Wildata, qui s'appelle le WTI, qui vous donne plusieurs informations. La tendance, est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier? La force de la tendance, sous forme d'un graphique, un petit graphe, une petite graduation de 1 à 10. Mais surtout, est-ce que c'est le bon timing d'intervention? Feu vert, vous pouvez y aller.
Feu orange, attention. Feu rouge, n'y allez pas. Donc, c'est très simple. Ce que je vais demander sur le CAC avec mon Hallmaster, c'est: moi, je suis devant mon poste, j'ai 5 minutes, je souhaite savoir quelles sont les valeurs de mon marché préféré sur lequel je peux intervenir. Donc, je vais utiliser toute la puissance du Market Analyzer et de filtrage pour mettre en avant les valeurs qui présentent un bon timing. Quelles sont les valeurs sur lesquelles c'est feu vert? Et donc, mon Wallmaster va scanner le marché en question. Et va me dégager les valeurs qui sont en feu vert. Bah là, sur tout le CAC, j'ai une seule valeur dont c'est le bon timing d'intervention, Essilor. Essilor, je peux me positionner. Je suis en tendance baissière, ok, haussière, pardon, certes, mais j'ai un très fort retournement à la baisse possible. Et en plus, c'est le bon timing pour vendre. Donc là, on a eu un tri qui a été fait. Vous voyez, votre Wallmaster, il a analysé tout le CAC 40 en quelques secondes. Ça va assez vite. Si on regarde sur le Forex, pour ceux qui travaillent le Forex, on va aller chercher les 9 paires majeures. Et bah, aussitôt, j'ai deux paires de devises sur lesquelles c'est le bon timing pour agir. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire cette recherche sur différents marchés en même temps ou sur différentes périodes de temps. Là, vous avez vu en haut, je suis en jours sur 2 ans. Mais si je fais de l'intraday, bah, peut-être que j'ai l'habitude de regarder des graphiques en heures. Donc, je vais analyser le marché en heure. Et donc, en heure, eh ben, je peux me positionner à l'achat sur l'euro dollar parce que on a eu un début de tendance haussière matérialisé par cette petite icône sur mon graphique. Je suis feu vert, ou je peux me positionner à la baisse sur l'USD CAD ou l'USD Yen. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est même si je débute l'analyse technique, mon Wallmaster me permet de gagner un temps fou, plutôt que de passer les valeurs du CAC une à une ou tout le Forex à un chez mon broker, bah, j'ai quelques minutes à consacrer à la bourse ou quelques heures. Je veux tout de suite savoir sur quelle paire je peux intervenir à l'instant T. Eh bien, vous avez un filtre, un premier filtre qui peut être fait et qui vous met en avant, qui dégage instantanément bah, les valeurs à potentiel, celles sur lesquelles je peux me positionner. Donc ça, c'est un exemple hein, d'un espace de travail qui est déjà prêt à l'emploi, qui vous permet vraiment de travailler efficacement. Je reviens à mes moyennes mobiles et vous allez me comprendre pourquoi je vais là-dedans. Admettons, je souhaite travailler avec cette stratégie, c'est une stratégie simple, les croisements de moyennes mobiles. Vous voyez, la moyenne mobile qu'on a en gras, c'est la moyenne mobile dite longue période, 40. La moyenne mobile en pointillé, c'est la moyenne mobile 10. Moi, je veux être au courant, je souhaite me positionner à l'achat quand la moyenne mobile courte croise la longue, comme ici, à la hausse, ou au contraire, quand la moyenne mobile courte croise la longue à la baisse, je veux vendre. Bah, plutôt que de passer encore une fois toutes vos valeurs une à une, ou tout votre marché préféré valeur par valeur, bah, dans votre Market Analyzer, il vous suffit d'ajouter une colonne, la colonne qu'on appelle croisement de moyenne mobile, que l'on a là, de choisir la période de vos moyennes mobiles. Et dès qu'un croisement s'opère sur les moyennes mobiles que vous avez choisies, plutôt que de regarder une à une vos valeurs pour savoir est-ce qu'il y a eu un croisement, et bien là vous voyez, je suis systématiquement et immédiatement alerté parce que j'ai dans ma colonne croisement de moyennes mobiles un petit logo qui me permet de savoir tout de suite, et bien sur Société Générale, si je passe ma souris devant, et bien je vois que la moyenne mobile courte a croisé la longue à la baisse. Même chose sur GDF Suez et même chose sur Capgemini. Donc la méthode des moyennes mobiles, c'est vraiment un exemple, mais c'est pour vous montrer que vous avez votre méthode, et bien vous allez pouvoir l'automatiser, la systématiser, faire votre analyse systématique à travers Wallmaster et d'être immédiatement alerté dès qu'une valeur correspond à votre méthode, dès que la situation technique d'une des valeurs correspond à ce que vous cherchez. Si je vais sur un autre marché, si je vais sur le SRD et que je travaille quand même avec ces moyennes mobiles, eh ben, plutôt que de passer les 120 valeurs du SRD une à une, eh ben, dans ma colonne, eh ben, je sais tout de suite qu'il y a 4 valeurs sur lesquelles il y a eu un croisement. Donc le but, c'est vraiment de gagner du temps, d'avoir le spectre complet de toutes les opportunités et de pouvoir être enfin autonome hein, sur les marchés financiers.
Vous suivez des conseils d'analystes? Très bien, gardez-les, mais contrôlez ces conseils à travers un outil simple et fiable. Voilà en ce qui concerne la puissance des market analyzers, qui est la première étape d'une méthode en bourse. Sélectionnez, je veux savoir quelles sont les valeurs à potentiel. Si vous avez votre méthode, très bien, vous pouvez la mettre en application très facilement en construisant votre propre market analyzer, c'est-à-dire en ajoutant des colonnes qui correspondent à vos critères. Un exemple, encore une fois, je travaille avec les moyennes mobiles, mais je travaille en plus avec mon RSI. Je veux savoir sur toutes mes valeurs, est-ce que mes valeurs sont en zone de survente ou de surachat? Bah, d'un coup d'œil, je vais pouvoir mettre en avant toutes les valeurs qui sont en survente ou toutes celles qui sont en surachat. Donc, soit vous construisez votre market analyzer en fonction de votre stratégie, ça demande trois clics de souris, soit vous utilisez des market analyzers déjà prêts à l'emploi qui vous traduisent la situation technique et qui vous donnent une info claire. Là, le market à l'écran, USD CAD, je sais que la tendance est haussière, qu'il y a un risque de retournement à la baisse et en plus c'est feu vert pour shorter, je peux rentrer en position. Donc ça marche sur le Forex pour répondre à Alexandre, bien évidemment. En ce qui concerne maintenant les écrans graphiques, une fois que j'ai sélectionné une valeur, le but c'est de comprendre son graphique, savoir où en est la valeur, est-ce qu'il y a un retournement qui est possible ou pas. Je vous ai mis des assistants visuels. Le premier assistant visuel, c'est l'assistant qui vous trace votre support et votre résistance automatiquement. On sait, là on voit, USD/CAD est en train de buter sur un support important. J'ai l'info comme quoi c'est OK pour vendre. Il y a un retournement possible sur ma tendance majeure. Bah, je vais peut-être attendre le franchissement du support pour vendre. Mais en tout cas, je peux mettre mon support sur alerte en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, dès que la valeur a franchi son support, je suis alerté, je peux vendre. Je veux savoir, par exemple, est-ce que c'est le bon moment pour se positionner? Bah, j'ai toujours mon assistant visuel tendance et timing ici qui me donne ses feux verts. Je veux ajouter différents indicateurs. Et bah, je vais pouvoir cliquer sur ce petit bouton et avoir accès à l'ensemble des indicateurs techniques possibles et imaginables. Le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir vous construire votre graphique, celui qui vous paraît le plus simple, pour d'un coup d'œil pouvoir prendre la bonne décision. Donc là, c'est un exemple ce soir. On va prendre voilà l'USD/CAD. On va peut-être plutôt retourner sur le CAC, parce que vous êtes plus nombreux à travailler sur les actions. En jour, vous voyez, je change d'unité de temps avec une simplicité extrême. Voilà, donc là, il nous dégage Essilor. Il nous dit que, ok, la tendance majeure est haussière, mais il y a une forte probabilité de retournement à la baisse. C'est feu vert en plus pour vendre Essilor. Je viens de franchir une résistance importante. Admettons, je souhaite me positionner à la vente sur cette valeur. Mon broker me permet de vendre à découvert. Je souhaite me positionner à la vente. Et bien, je vais utiliser, avant de me positionner, je vais mettre en place ma stratégie. Je vais déjà définir mon stop de protection. La première chose qu'on peut savoir en bourse, quelle que soit l'évolution du cours, c'est ce que vous voulez bien perdre. Donc, est-ce que le stop, je le mets en fonction de mon portefeuille? Est-ce que je le mets en fonction d'une étude chartiste, d'un niveau important de support de résistance? Waldata a développé pour vous un indicateur qui s'appelle stop de protection optimale, qui vous permet d'avoir un conseil sur l'endroit où mettre votre stop. Donc, comme je vais vendre cette valeur, je vais demander un stop vendeur. Donc, Wallmaster XE, pardon, analyse la dernière vague de votre valeur à l'écran et vous propose un stop de protection en fonction de cette volatilité. Donc là, je sais déjà, j'ai déjà une première info. Si je vends Essilor, eh ben, mon stop de protection, idéalement, je devrais le mettre à 86,47 €. Maintenant, mon objectif, eh bien, on voit que 80,90 € c'est un niveau de support important. Bah, je vais peut-être en faire mon objectif. Donc, j'ai ma stratégie, j'ai mon stop, j'ai mon point d'entrée, j'ai mon objectif. Je vais passer à l'action chez mon broker, mais j'ai 50 000 euros de portefeuille. Combien dois-je acheter de Essilor? Est-ce que je dois acheter 50 000 divisé par 83,75, qui est le cours actuel? Est-ce que je dois en acheter simplement 10? Eh bien,
le Wallmaster est équipé d'un assistant qui s'appelle Risk Manager, qui va vous aider à calculer la taille idéale de votre position. Voilà, donc je suis sur Essilor. Admettons, j'ai 50 000 euros de capital. Donc je note 50 000. Je ne veux pas perdre plus de 1% de mon capital sur chaque trade. Et évidemment, cet assistant marche sur le Forex et va en faire l'essai juste après. Donc j'ai 50 000 euros et je ne veux pas perdre plus de 500 euros sur ce coup-là. Donc le cours d'ouverture, c'est le cours actuel, 83,75 €. On a dit que mon stop, il était de 86,47 €. Et mon objectif, c'était 80,90 €. Et bien, en fonction de ma stratégie, je peux shorter 183 Essilor. Parce que en vendant 183 Essilor, si mon stop est touché, je perdrai au maximum 500 €. Et ça, c'est vraiment génial parce que ce que l'on fait généralement, on prend son capital, 50 000 ou 1 000 ou 10 000, on le divise par la valeur du titre. Et là, ça ne nous aurait pas donné tout à fait le même résultat. On aurait été hors règle du money management. Là, quoi qu'il arrive, si votre stop est touché, vous ne perdrez pas plus de 500 €. Et donc, il vous note le gain et la perte unitaire. Si par contre mon objectif est atteint, je vais gagner 2,85 € par titre fois 183. Je vous laisse faire le calcul. Si je valide, et bien sur mon graphique, j'ai mon stop, j'ai mon objectif qui sont tracés. Comme ça, visuellement, je sais repérer les choses. Et si je clique sur la petite cloche, vous allez recevoir une alerte. Alors ça peut être par SMS, ça peut être par mail, c'est à vous de choisir, si l'un des deux est atteint. Donc là au moins vous avez sécurisé efficacement votre prise de position, vous savez où est votre stop, vous savez où est votre objectif, vous savez combien de titres vous devez acheter. Là, vous êtes quasiment un professionnel du marché. Hein, c'est un peu comme si vous aviez une équipe avec vous, vous n'êtes plus tout seul devant votre écran. Vous avez en premier lieu un analyste qui vous aide à vous concentrer sur la valeur qui présente le plus de potentiel. Vous avez un autre analyste technique qui vous a traduit le graphique, qui vous a tracé des supports et des résistances. Vous avez votre comptable qui vous a mis en garde sur la taille idéale de votre position. Voilà, vous êtes encadré. Et effectivement, pour répondre à Georges, 183 titres représentent 14 000 euros. Mais peu importe, ce qu'on demande, c'est ne pas perdre plus de 500. Donc en fonction de l'endroit où vous avez mis votre stop, vous ne perdrez pas plus de 500. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est se dire j'ai 50 000, je divise le prix de ma valeur par 50 000. Non, je ne veux pas perdre plus de 500. Donc, ou combien de titres dois-je acheter? Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je vais le remontrer sur le Forex. Parce que le Forex est assez spécifique, c'est un marché très très passionnant, mais en même temps très dangereux. Là, je suis sur une période de jours, je vais me remettre en heures, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Ne prenez pas cette position comme un conseil, hein. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de matérialiser l'intérêt du Wallmaster. Tendance haussière sur l'USD/CAD, mais gros retournement à la baisse de possible, feu vert pour shorter. Mais voilà, je vais utiliser mon risk manager pour savoir est-ce que je dois acheter un lot, est-ce que je dois acheter 100 lots, 100 000, 1 million, je ne sais pas. Et bien, vous faites la même chose, vous notez votre objectif. Alors, je vais prendre au hasard, hein, mais admettons 1,185 €. Vous reprenez le stop de protection du Wallmaster. Vous avez toujours vos 50 000 euros de portefeuille parce que vous avez 500 euros en vrai, mais votre broker vous propose un effet de levier de 100, donc vous avez vos 50 000 euros de portefeuille. Vous ne voulez pas perdre plus de 500 euros, eh bien vous pouvez vous permettre d'acheter jusqu'à 1,4 lots, ce qui correspond à 143 000 dollars, alors que vous aviez que 50 000 euros de portefeuille. Donc ce qui compte, ce n'est pas le portefeuille, c'est combien vous voulez bien perdre sur ce coup. Combien j'accepte de perdre, et en fonction de cette perte, votre risk management va vous calculer la taille idéale. Voilà pour le risk manager. Donc je récapitule. Premièrement, j'ai sélectionné une valeur à potentiel grâce au market analyzer.
soit déjà prêtes à l'emploi, soit en fonction de votre méthode que vous avez mis en pratique en trois clics de souris dans votre webmaster. Vous avez analysé facilement vos écrans graphiques avec tous les assistants visuels qui viennent vous donner une lecture simplifiée de l'analyse technique. C'est feu vert, il n'y a pas de retournement possible, je suis loin d'un support ou d'une résistance. Ok, je veux prendre position. Ensuite, Risk Manager. J'ai mis mes alertes, mon stop, mon objectif, je sais combien je dois acheter. Quatrième étape, vous avez passé votre ordre chez votre broker, soit directement du Wallmaster XE via Broker Access, ou si vous êtes chez Bink ou Bourse Direct, par exemple, là je vais noter des faux identifiants évidemment, eh bien vous pouvez passer votre ordre directement chez le broker, ou en passant un clic de souris et en ouvrant la page de votre broker, ce qui prend une demi-seconde. La dernière étape, c'est de suivre votre portefeuille. Au lieu, avant de clôturer votre position, savoir où vous en êtes dans vos plus-values. Donc, on va reprendre notre fameux exemple de la valeur tout à l'heure et Sylor. On va reprendre les Sylor. Donc, on était en jour. Hop, c'était la seule qui présentait un potentiel à la baisse. Voilà. Je reproduis mon opération dans mon portefeuille. Donc on a dit j'en ai vendu 183. Ok, parfait. Et ben, je vais pouvoir utiliser l'outil de gestion de portefeuille. Ici, vous avez un bouton suivi qui vous matérialise votre portefeuille et évidemment bah, toutes vos lignes, ligne par ligne. Où est-ce que vous en êtes? Quelle est la synthèse de votre position? Est-ce que vous êtes en gain? Est-ce que vous êtes en perte? La dernière opération faite sur votre valeur. Évidemment, si vous avez 2 lignes, 5 lignes, 10 lignes, bah, vous avez un bilan complet de votre portefeuille au centime près, vos plus-values, vos moins-values, combien il vous reste, etc., etc. Et ce qui est parfait, c'est plutôt de clôturer à n'importe quel moment parce que vous avez un gain qui vous paraît acceptable. C'est pas à moi de vous l'apprendre, mais évidemment, on dit toujours, idéalement en bourse, il faut savoir. Pardon? Ah, alors, encore une fois, on me dit un problème de son. Alors, pouvez-vous me renoter si vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Oui ou OK? Ah, apparemment, c'est revenu. C'est bon. Merci, en tout cas, Guillaume. Donc, vous suivez votre portefeuille, vous avez plusieurs lignes dans votre portefeuille. Admettons, j'ai Sylor là dans mon portefeuille. Plutôt que de clôturer à n'importe quel moment, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser recherche de retournement. Au lieu de scanner le CAC 40, de scanner votre portefeuille. Et dès qu'une valeur présente un fort retournement, eh ben, vous clôturez votre position, plutôt que d'attendre ce retournement. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Là, au lieu de scanner le marché de mon choix, bah, je scanne mon portefeuille. On va oublier l'exemple de vente sur Essilor. Admettons, j'étais à l'achat sur cette valeur parce que mon Wallmaster m'a dégagé un croisement de moyenne mobile au moment où ça s'est produit. J'ai acheté, admettons, à cet endroit-là. D'accord? Et bah, là, je scanne mon portefeuille. Ça fait plusieurs jours que j'ai acheté Essilor, presque un mois. Ok, je suis en plus-value, très bien. J'ai un retournement de 8 sur 10. Eh bien, il serait peut-être temps de quitter le navire. Donc, vous avez en plus la possibilité d'utiliser les market analyzers en scannant votre portefeuille et en lui demandant, eh ben, je veux toutes les valeurs qui présentent un retournement d'au moins 8 ou de 9 sur 10. Comme ça, vous pouvez sortir avant les retournements. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vous construire l'espace de travail qui vous convient, mais de pouvoir devenir un peu analyste technique, devenir quasi professionnel, de pouvoir utiliser un outil simple. Et donc, de mettre en place une méthode systématique et qui est vraiment complémentaire avec ce que vous utilisez actuellement, c'est-à-dire les infos plutôt macroéconomiques ou plutôt les conseils d'analystes. Donc voilà pour une méthode lambda, hein, je parlais des moyennes mobiles, il en existe plein, plein, plein. Vous avez aussi des méthodes prêtes à l'emploi dans votre Wallmaster XE. Pour ceux qui ont déjà été consulter le site de Walldata, bah vous avez dû voir plusieurs choses, des AT experts, des AT helpers, divergence, Ichimoku. Hein. Bon, pour faire simple, Wallmaster XE est l'outil développé par Walldata, le logiciel qui est déjà très très complet, et vous avez la capacité d'importer, d'acheter des méthodes additionnelles qui sont de véritables méthodes prêtes à l'emploi. Je m'explique. Il y a un AT expert qui est vraiment exceptionnel, qui s'appelle Divergence Pro. Je l'ouvre.
Vous allez vite me comprendre. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une divergence? Si vous pouvez me noter, oui, je le sais, Romain, une divergence, merci. Ou non, je ne sais pas, et à ce moment-là, je me permettrai de vous l'expliquer. Alors, presque tout le monde sait. Quelques-uns ne savent pas encore ce qu'est une divergence, donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Hop, excusez-moi. Alors ça, ces manipulations, vous n'avez pas à les faire, hein. C'est parce que le Wallmaster a été utilisé pour d'autres webinaires. Donc, veuillez excuser les petites manipulations que je suis en train de faire. Donc, quand vous avez la chance d'investir dans Divergence Pro, vous allez avoir donc un AT Expert qui est un module additionnel à votre Wallmaster qui va se présenter sous cette forme-là. Voilà. Hop. On va se mettre en jour. Merci Régis de dire que je suis le roi de la souris. C'est sympa de votre part. Alors, on n'a pas de divergence sur le CAC apparemment. Ce qui me paraît un petit peu étonnant. On va aller sur le Forex. On va regarder, on va essayer d'en trouver. Vous voyez, c'est du direct, hein, c'est un peu les aléas. Je vais essayer de trouver des divergences sur le CAC en heure. Ouais, ça peut arriver, effectivement, Georges, hein, d'avoir des petits réglages à faire. Bon, on va directement Ah oui, merci Alexandre, effectivement, mais vraiment, le Wallmaster, pour répondre à Alexandre qui dit que j'ai le logiciel sur le bout des doigts, évidemment, nous, l'équipe de Walldata, nous l'utilisons tous les jours. Mais Wallmaster est un logiciel qui, à la base, est dédié aux particuliers. 95% de nos clients sont des particuliers, comme vous et moi, qui l'utilisent, que ce soit sur du long terme ou du court terme. Donc, il a été développé pour vous, pour les particuliers. Donc, à partir du moment où vous savez vous servir d'une souris, vous savez vous servir d'un logiciel comme Word ou comme Excel, et que vous savez, vous n'êtes pas daltonien ou vous savez lire, ça devrait très bien se passer. En quelques jours, vous allez prendre votre Wallmaster en main. Il n'y a pas besoin d'une formation particulière, mais on va vous accompagner tout de même sur la mise en place de votre outil parce que, à partir du moment où vous devenez client Walldata, vous avez le droit à une mise en route personnalisée où on installe le Wallmaster avec vous et pendant quelques minutes on vous apprend les fondamentaux. Vous avez ce genre de webinaire comme l'on fait ce soir qui vous explique un petit peu la fonction, les fonctions de base du Wallmaster. Et vous avez surtout l'équipe technique Walldata qui est à votre disposition pour aller un petit peu plus loin si vous avez des questions techniques. Bon, je suis désolé pour les divergences. C'est peut-être le fait que je ne sois pas connecté au marché qui fait que ça ne fonctionne pas là sur ce coup. Bon, vous avez d'autres webinaires sur les divergences, donc c'est pas très grave. Vous aurez l'occasion de les découvrir autrement. Est-ce que vous avez des questions sur Wallmaster, sur l'analyse technique en général, sur ce que vous avez vu ce soir? Profitez-en, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Donc n'oubliez pas. Alors, en ce qui concerne les Mac, donc il y a une question, est-ce qu'il existe une version Mac? Alors, le Wallmaster a été développé pour Windows. Vous le savez, c'est une programmation différente de Mac. Mais une bonne partie de nos clients et moi-même travaillent sur un Mac. Donc, vous allez pouvoir utiliser Wallmaster sur un Mac en installant un émulateur qui vous permet de lancer Windows et des programmes Windows. Donc voilà pour ceux qui possèdent un Mac. Ou investir dans un PC réservé au Wallmaster, ce qui est vraiment très conseillé. Mais pour ceux qui ont un Mac, vous l'installerez sur un Mac grâce à un émulateur. Et pour la question de Christian, alors j'arrive pas à retrouver votre question, Christian, est-ce que vous pouvez la reposer? S'il vous plaît. «
Comment choisir le bon broker? Alors ça, c'est une bonne question. Waldata, vous savez que nous sommes développeurs de logiciels d'aide à la décision, donc on n'a aucune, on n'est pas là pour vous conseiller sur un broker particulier, mais on peut voilà, vous donner des règles de base. Choisissez un broker qui a des bureaux en France. Hein, prenez un exemple simple. Votre salaire, est-ce que vous iriez le domicilier dans une banque à Chypre? Je ne pense pas. Donc, essayez de choisir un broker qui a des bureaux en France. Ça, c'est la première règle à respecter. Après, vous en avez des biens, des pas biens. Peu importe. Ça, c'est à vous de décider le broker avec lequel vous êtes le plus à l'aise, qui vous permet d'avoir des tarifs compétitifs. Voilà. Un broker en France, c'est un broker qui vous permet d'ouvrir un compte, qui ne vous donne pas de bonus. Ça, c'est toujours un peu suspect. Pour répondre à Philippe, vous avez effectivement tout ce qui est force relative, etc. Bon, ça c'est, on va un peu plus loin dans l'analyse technique. C'est un autre module additionnel qui s'appelle Investor Plus, bah, qui vous permet de filtrer un marché en fonction de la force relative, de mettre en avant uniquement celles qui surperforment le CAC ou qui sous-performent. Vous avez déjà pas mal de webinaires à ce sujet-là. Je vous invite à consulter la liste complète des webinaires qui sont disponibles sur le site de Waldata. Et oui, pour voir Divergence Pro, pardon, il vaudrait mieux avoir des divergences. Mais bon, pas d'inquiétude, vous avez un super webinaire qui a été fait sur Divergence Pro, lui aussi disponible dans la boutique de Waldata, donc vous pourrez le retrouver sur le site de Waldata, sur le bouton vidéo directement. Je reprends, je résume ce que l'on a vu ce soir. Je vais enlever le filtre ici. Première étape, je suis devant mon écran, je suis investisseur. Je cherche à savoir, est-ce que sur le CAC, il y a une action sur laquelle je peux me positionner? Je n'ai pas de méthode de travail. Je vais utiliser donc un espace de travail déjà prêt à l'emploi. Recherche de retournement. Là, je sais tout de suite, il y a un classement qui vient d'être fait par mon Hallmaster. Je sais tout de suite quelle est la tendance majeure, quelle est la probabilité de retournement. Est-ce que c'est le bon moment pour agir? Je suis capable, vous êtes capable de dégager les valeurs à potentiel de façon autonome. Deuxième étape, j'analyse. L'analyse discrétionnaire. Je valide les signaux qui ont été dégagés par le Wallmaster XE. Hein, vous voyez, tous les petits signaux, c'est toutes les petites flèches qui ont été dégagées par le Wallmaster. Et au moment où cette flèche est apparue, bah, dans votre Market Analyzer, vous aviez un petit new qui avait été inscrit. Voilà, j'ai un signal, un point d'entrée, signal de début de tendance baissière. C'est feu vert, je souhaite me positionner à la vente. J'ai mon support, ma résistance qui ont été tracés automatiquement. Je sais situer Sealer dans son contexte. Troisième étape, je sécurise. Je mets mon stop, mon objectif à des endroits bien précis et j'achète. J'ouvre la taille idéale de position en fonction de mon capital, de vos règles de money management. Quatrième étape, vous passez votre ordre, soit directement du Wallmaster ou soit chez votre broker. Puis, vous surveillez votre portefeuille efficacement avec l'outil de gestion et avec les alertes qui se déclenchent si le stop est atteint ou si l'objectif est touché. Et pour répondre à Bernard, bien entendu, le RSI est disponible. Pour ceux qui ont des connaissances en analyse technique, vous allez pouvoir vous ajouter la bibliothèque complète de tous les indicateurs. Il y en a plus d'une centaine. Si vous voulez mettre le RSI, bah c'est très simple, il suffit de le choisir, de double-cliquer et vous avez votre RSI qui apparaît sur votre graphique où vous allez pouvoir définir. Le RSI est un indicateur qui nous donne bah, tout simplement on va dire, une synthèse sur bah, les zones de surachat, les zones de survente. Ça met en évidence ces zones-là. Ça permet d'identifier l'essoufflement des forces acheteurs ou vendeurs hein, et donc le moment où la probabilité de retournement est la plus forte. Hein, généralement, c'est un indicateur qui est borné de 0 à 100. Au-dessus de 70, on dit qu'on est sur une zone de surachat. En dessous de 30, on dit qu'on est sur une zone de survente. La sortie de la zone de surachat donne un point d'entrée à la vente et permet surtout de savoir quel est le potentiel encore de la valeur. Là, vous voyez, on est au 50 du RSI, donc on a encore un beau potentiel de vente. Voilà pour un petit peu, on va dire, parler un petit peu du RSI rapidement. Et vous avez évidemment tous les indicateurs techniques à votre disposition. Donc, votre portefeuille, quel que soit le capital dont vous disposez, mérite d'être encadré par un logiciel comme votre Wallmaster XE. Vous êtes là sur les marchés boursiers par plaisir, certes, et grâce à Wallmaster, vous allez comprendre l'analyse technique
mais aussi, avouons-le ce soir, pour gagner de l'argent. Donc, travaillez efficacement. Ne soyez plus tout seul devant votre écran. Équipez-vous. Pour connaître les conditions d'acquisition de votre Wallmaster, contactez-nous. Vous avez une équipe également à votre disposition. Je suis disponible moi-même jusqu'à 20h. Vous pouvez m'appeler au 01 58 71 21 99 et je vous renseignerai sur les conditions d'acquisition du Wallmaster. Et d'ailleurs, pour ceux qui participent à ce webinaire, eh bien, vous avez une offre spéciale qui vous est réservée. Si vous voulez la connaître en détail, je vous conseille de m'appeler. On vous a construit quelque chose de bien. Voilà. Et pour répondre à Jean-Yves, l'indicateur SAR, S-A-R, est lui aussi évidemment disponible dans votre Wallmaster XE. Bon. Pour terminer, vous avez plusieurs choses qui sont offertes avec Wallmaster. La TXStore, qui est la bibliothèque d'indicateurs supplémentaires qui ont été développés par nos clients ou pour nos utilisateurs. Vous allez pouvoir importer dans votre Wallmaster, en plus des indicateurs déjà présents, différentes choses, des espaces de travail déjà créés, de nouveaux indicateurs, donc ça, vous en avez un accès libre. Le site World Trade Institute, qui est le centre de formation agréé de World Data, qui vous forme sur des stratégies et sur des méthodes de travail. Donc je vous invite à consulter le calendrier, vous avez des formations qui sont prévues tous les mois pour venir apprendre à trader comme un professionnel. Mais donc vous avez aussi le e-learning, qui est presque 3 heures de vidéo sur les bases de l'analyse technique, voilà, faite par l'analyste de Walldata, le chartisme, donc les tracés de base, les figures de retournement et les principaux indicateurs. Donc ça, ça a été fait par World Trade Institute, ça vous permet de prendre en main Wallmaster encore plus vite et d'avoir une bonne base solide sur l'analyse technique. Vous avez dans votre Wallmaster, alors, la bibliothèque complète de tous les indicateurs. Vous voulez savoir ce qu'est, on va reparler de la, par exemple des bandes de Bollinger. Et ben vous avez, voilà, vous avez une définition, une analyse, la méthode de calcul et un descriptif de l'indicateur. Vous avez entendu parler du MACD, vous voulez savoir ce que c'est. Et bien Walldata vous donne accès à cette librairie pour apprendre l'analyse technique également. Voilà, j'espère que c'est clair. Et vous avez évidemment les livres qui ont été développés et écrits surtout par Walldata. Je vais essayer de vous les montrer. Je vais aller sur le site de Walldata. Voilà, j'avais pas mis les 3W. Tout savoir sur l'analyse technique, qui est un livre qui a été écrit par l'équipe de Walldata, notamment Madame Monique Walker, qui a coordonné la réalisation de ce livre, qui vous permet, voilà, c'est un peu la Bible, hein, permettez-moi, sur l'analyse technique. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez maîtriser votre Wallmaster et l'analyse technique qui est indispensable pour prendre des décisions sur les marchés boursiers. On a encore 5 bonnes minutes, hein, je pense qu'il reste quelques questions. Alors Alexandre, pour les horaires des formations, je vous invite à consulter le planning, mais en général, c'est du présentiel, donc c'est de 9h à 18h. Merci Régis pour votre retour sur le webinaire. Alors pour répondre à Christian, l'assistant visuel recherche de retournement, il est là. Là, le retournement commence à s'opérer. On est sur un graphique en jour, d'accord ? Donc le retournement n'a pas totalement été effectué, puisqu'on n'a pas fait un plus bas, hein, que celui-ci. Mais il est en train de se faire. On a un retournement en jour qui est de 8 sur 10. Donc c'est ce qu'il vous trace. La tendance majeure reste toujours haussière, mais on a un retournement de 8 sur 10. Et on voit que la tendance baissière s'est bien opérée. Donc est-ce que c'est une correction technique et que ça va repartir à la hausse, ou est-ce que c'est vraiment en train de se retourner? Ça, on ne peut pas le deviner, mais on peut l'anticiper grâce à cet assistant visuel.
Et pour répondre à Jean-Yves, quel module supplémentaire je vous conseillerais? Bah, tous les modules sont tous intéressants, mais effectivement, s'il y en avait un à vous conseiller, eh bien, on a Divergence Pro qui détecte les divergences automatiquement et vous trace un objectif, un stop directement, qui est bien. Vous avez Ichimoku qui est parfait également. Investor Plus, en fait, tout dépend du marché sur lequel vous intervenez, de votre horizon d'investissement et du temps que vous avez disponible à consacrer à la bourse. Pour répondre à la question de Bruno, les formations ont lieu au sein du centre World Trade Institute qui se situe rue de la Bourse, donc en face du Palais Brongniart, place de la Bourse, donc dans les locaux de Waldata, à Paris, tout simplement, à la capitale. Et Bernard, vous pouvez utiliser le RSI comme filtre dans votre Market Analyzer tout simplement en ajoutant une colonne, donc en ajoutant une sélection, un critère de choix, un critère de sélection, et en ajoutant le RSI. Vous voulez savoir si c'est suracheté, survendu, vous choisissez cette colonne-là. Vous travaillez avec le MACD, et ben vous choisissez MACD, croisement des MACD et de sa moyenne mobile. Voilà, et dès que la moyenne mobile et le MACD se croisent, pour ceux qui connaissent cet indicateur, et bah que vous suivez 10 valeurs, 100 valeurs ou 1000 valeurs, vous êtes automatiquement et systématiquement alerté. Vous avez tout de suite la capacité d'être au courant. Bah là, malheureusement, on n'a pas de chance sur le cas qu'il n'y a pas de croisement entre le MACD et sa moyenne mobile, mais il vous suffit d'ajouter une colonne pour filtrer votre marché. Bon, merci en tout cas de votre temps. J'espère que ce webinaire était clair pour vous, que vous avez pu apprendre des petites choses. Je l'espère que vous avez pu avoir. Ah, j'ai encore une question. La formation de 4 jours est-elle suffisante? Alors, en ce qui concerne le déroulement des formations, les durées, etc., pour répondre à Mickaël, je vous invite à contacter votre chargé de clientèle. Je crois que c'est Guillaume qui s'occupe de vous et il vous expliquera très bien tout cela. Et l'intégration des valeurs en temps réel prend très très peu de temps puisque le Wallmaster est connecté au marché tick par tick. Donc c'est instantané, hein, c'est du pur temps réel. Merci en tout cas de votre temps. Vous retrouverez ce webinaire pour ceux qui souhaitent le revoir sur le site de Waldata à partir de demain après-midi. Pour ceux qui n'ont pas encore Wallmaster XE et qui envisagent de se faire plaisir et de se l'offrir, je suis là encore pendant 1 heure. Donc je vous invite à me contacter au 01 58 71 21 99. Toute l'équipe de Waldata est présente ce soir, donc on peut vous renseigner. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail ou même aussi par téléphone. Toute l'équipe, en tout cas, du Centre World Trade Institute de Waldata vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.